guys, we're here at the Fusion headquarters in sunny Denmark. As you can see, the Ironman World Champion is on the front of the building. I'm going to walk you around this building over there. It's a performance center, so everybody goes to the gym and work out. Really good gym. I was there this morning doing my turbo session, and now we're going to go inside because it's effing freezing. So first of all, here we have Magnus Tidleff, my arch enemy. This is where I will be doing the pole dancing scene tonight. So we have some speakers. We haven't yet installed the pole, but soon it'll be ready for my show. The DJ set where you'll be playing tonight. And no, more importantly, for the serious side, Fusion is a company that's like really working differently compared to some other brands. I think they realized that there was some issues, I guess, with production and with it being done in the Middle East and stuff and getting shipped to Europe. This often creates problems because there's big delays and people have to do you have to do a lot more production than what you actually need. So here they work on a weekly basis, and their factory is in Lithuania. And it's every week basically they know how much to produce for the next for the following week, and so it means that there's no a lot less waste than other companies. And seems like a really simple idea, but they wanted to do things differently. And then on top of that, obviously, it's just really focusing on the fine details of the textile itself. And you'll see later they have a test lab room with crazy amount of textiles. So I'll walk you through. This is the beautiful marketing theme. Say hello to your vlog. Hello. These are my favorite people, obviously, in the thing. This is the administration room. I keep out of here, but I need to be really nice with this lady, I think, because she's the one who pays my contracts. Here we have the meeting room. Did you film before the meeting we had? This is how I'm going to get faster. You can't see. This is how we're going to break the records next year. This is the coffee and lunch room, I think. And now the most important room. This is where they make all the prototypes and we develop new products. You've never seen so many different fabrics. So here we have some crazy fabrics. Pick whatever you want. And we're going to make a dress. We're going to make my dress for tonight. So this is where they make like the specific suits for the professional athletes, like for me and Magnus and stuff. You can see at the end. I just got measured up before, so right now we will include the little montage of me getting fitted in my nice Calvin Klein white pants. And this is where they do it all. Obviously, I'm no expert textiles, but... Oh! Le confort du tout, ça. En fait, c'est vachement dans la main. This is a Danish giant. They're very common in Denmark. And now maybe we select what the color I want for my dress tonight. I think we go for a mix of this and this together for my dress. Yeah. Maybe a little bit of this as well. This would be nice, like just around this area. Can you make me a dress for tonight? These three, Thank you. Perfect. Like really slim. Thank you. Perfect. And now we're going to go to the test lab. So it's where they test the fabric. Yeah. This with the pin. It's alright. Yeah, but can we do like a dress? Yes. Yes. Or no, a skirt. Just a skirt. Yes. Amazing. I will wear it. Right. But I will wear a skirt tonight. Nice. Yes. All right. I trust you. So yeah, this is where they test all the fabric. Here I think is like some kind of a rubber testing and... Yeah, can you explain to me this room?
So this is the fabric that you use. No, it's not like this is just to test it. This bit. This is the fabric that it's a rub. Yes, okay. Yeah. So this is a standard. Yeah. You always use this. And then you put the fabric here. Yeah. Mm. Okay. And it like how long does it? You test like no. So you have the standards, but you normally this 10,000 repeats. Yeah. But we normally go to much, much higher. We go to workwear standard. And this one, it like plucks the, it plucks the machine. Snacking machine. Snacking machine. a snacking machine is like a, like where you put money and it gives you snacks. Is it? Yeah. All it's called Pete, snack and Pete. Baggy. Yeah. You have a tube. Yeah. And put the fabric around it. Yeah. And you see the spikes in here? Okay. So it tears. Oof. It tears for tears, and this one is for rubbing as well. It's a cork inner side. So you have the same tube with fabric on, and it just repeats. Okay. Resistance from the cork. But surely this just breaks it, no? It's good fabrics don't break in this one as well. Yeah. This one. What's that one for? It's a test the moisture management. Okay. So you dip the fabric and you weigh in the water and you see how much it rise. Okay. So you see how efficient it is to grab the water water and take it. And then this is a stretching. This is industrial washing machinery, and the thing about this is that you can put it on repeat, so you can take 50 washes in a row. Yeah. And then you see that's a lifetime of a fabric. Yeah, yeah. So we can test it from the start. Cool. Yeah. And this is like stretches. Stretch and recover. Okay. Yeah. Yeah. So stretch is one thing, but how does it return? Yeah. That's an important thing. Cool. Yeah. One up. C'est sûr que tu vas t'humilier comme ça. Allez. Oh non. Allez. Je suis pas tout. Fois que je fais du vélo depuis 10 jours. C'est plus compliqué déjà. Je sais plus faire. They got 2 hour turbo training session. I'm gonna try and do 2 hours. I'm very unfit. So we put some questions out on Instagram and we're gonna do our best to answer them. So fire away with all the terrible questions. You can put your own questions in the YouTube comment here and we'll make sure we reply to them. What? We just finished a turbo session and now we're going to go for a meeting with the team just to discuss how we can make this suit better for next year and yeah, it'll mostly be about aerodynamics because this is the main area we can improve, but also they do a very good job with making the suit good in the heat, which in Kona is obviously really important. So yeah, aerodynamics and sun protection are really important for us. Cool. We're going to do some photos, then you can find my sexy booty online on the Fusion website. Je suis bien coiffé? Oui, super. Je suis beau? Ouais. Le mulet, il est prêt? Le mulet est parfait. Qu'est-ce que tu fais, toi? Merde. Ouais, va te changer, ouais. So this is it, the big moment, the one we've all been waiting for. They're going to listen to me talk for an hour. Sorry. Hello.
Bon, ça fait quoi être champion du monde? Tu le sais ou toujours pas? Non, je le sais, mais je l'ai mal vécu. Hein. Je suis une petite dep. Je fais une petite dep parce que pour la première fois de ma vie, je suis un peu perdu. Quoi. Genre, depuis que j'ai 4 ans, je savais que je voulais aller exactement là. Et maintenant, je sais plus où je vais aller, mec. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Du coup, ouais, c'est. Je pense que j'ai chialé plus d'une fois parce que j'étais complètement perdu. C'est ça le plus dur? Je sais pas, ouais. En fait, c'est que pendant longtemps, genre non seulement je savais où je voulais aller, en plus genre, j'avais une raison vraiment forte, genre c'était en gros, en fait c'était ma famille, genre quand ils sont venus en France et tout, genre ils ont un peu galéré, tu vois. Et genre, je savais que si j'étais champion du monde, genre l'entreprise familiale, tu vois, elle irait bien, quoi, tu vois. Et en fait, ça c'est... Cette raison pour, je l'ai plus parce que c'est... C'est fait, quoi. C'est fait. Et du coup, genre maintenant, je sais que je vais encore en gagner et en gagner plus que n'importe qui, des titres, mais j'ai pas encore la raison du pourquoi, tu vois. Ouais. Et en plus de ça, en fait, genre, j'ai tellement de sollicitations et tout, tu vois, je me déplace tellement que, en gros, tu es tellement pas en bonne santé, enfin, genre comparé à ce que là, j'étais le 10 septembre, par exemple, mais que du coup, tu te sens hyper mal dans ta peau, quoi. Et t'as l'impression d'être tellement à des années de lumière, tu vois. Tu te dis, putain, mais est-ce que je suis capable de refaire ça, tu vois. C'est con, en vrai, parce que bien sûr que t'es capable, mais quand tu fais du mal avec ton corps, avec de l'alcool, tu vois, des soirées... Non, j'ai bien fêté ça. En fait, je pensais... C'est bizarre parce que direct dans la foulée de Nice, genre j'ai pas fait de grosses fêtes et tout, genre parce qu'il y avait le Berman et en plus genre bah je sais pas, j'avais envie de m'entraîner. Et après genre là je sais pas, ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois là depuis Nice. Et ouais, à peu près, ouais. Ça fait plus de 2 mois et je me suis toujours pas remis, quoi. Et là t'as plus envie de t'entraîner là aussi quand même? Moi. J'ai quand même moins envie. Enfin, là, ça commence à revenir quand même, mais il y a plein de fois où, en gros, c'est comme si j'avais genre zéro force mentale. Genre, je commençais une séance et au bout de 5 minutes, ça me saoulait. En fait, il y avait Arthur qui continuait sa saison, du coup, quand lui, il était à la maison, ça allait, genre, je le suivais, quoi, tu vois, mais s'il était pas là, je n'allais pas m'entraîner. Mais bon, c'est... En fait, c'est parce que j'ai pas fait de vraie pause, en fait, parce que j'ai tellement de trucs à faire et tellement de voyages et tout, que je peux pas me permettre de, en plus, faire une pause, tu vois. Ouais. Et tu penses qu'elle pourrait faire du bien une pause? Je sais même pas, parce qu'en vrai, c'est... Au fond de moi, ce qui me rend heureux, c'est de m'entraîner, de bien m'entraîner, et en fait, quand je fais des pauses, j'ai plus cette partie-là de ma vie. Genre, ma vie, elle est tellement équilibrée, beaucoup autant de l'entraînement, en fait, que si j'ai pas ça... Du coup, en fait, là, j'ai qu'une envie, c'est d'être tranquille chez moi, et de fissurer Arthur sur un vélo. Pendant 5 heures, qui me dit « ça, arrête !» Ça c'est ce qui me rend heureux. Faire mal à Arthur. Faut pas lui dire. En fait, ça me fait chier parce que je devrais vraiment pas me plaindre parce que j'ai tout qui va, tu vois. Mais à la fois, c'est pas forcément la période la plus heureuse de ma vie. En fait, tu vis tellement des émotions fortes, genre ton seuil de ce qui est cool, en gros, il est surdimensionné, tu vois. Et après, les trucs normaux, genre ça te paraît nul, tu vois. Alors que là, je fais, genre, par exemple, j'étais chez Canyon ou... Où je suis un autre sponsor, on fait des trucs cool, tu vois, mais ça me paraît, en fait, ton seuil, il a changé. Et ouais, mais ça va me passer. Par exemple, j'avais pris 2 jours à l'hôtel avec Flo pour me dire, ok, je vais écrire les 10 prochaines années, tu vois. Et j'ai écrit exactement ce que je veux faire et tout. Et en fait, genre, c'était 2 semaines après Nice. Mais en fait, c'est impossible que je sache exactement là où je veux aller et pourquoi en 2 semaines. Il y a des gens, genre, toute leur vie, ils savent pas, tu vois. Ouais. Donc, étant donné que là, j'ai mis 15 ans déjà à faire ça, c'est pas en 2 semaines, ou c'est pas en 2 jours à un hôtel, je vais me dire, ok, bon, c'est bon, là, t'as compris la suite, tu vois. Ouais. Mais ouais, ça va venir doucement. Un truc, mais en fait, c'est aussi pour ça que j'étais perdu, c'est qu'en fait, je commençais à douter de tout, parce qu'en fait, j'ai tellement fait... Tout ce projet, je l'ai construit. En fait, ma motivation profonde, c'était vraiment de le faire presque pour ma famille et pour tous les stagiaires, les milliers de stagiaires qu'on a vus qui, depuis petit, me disent « Ouais, tu vas être le prochain champion du monde d'Ironman » et tout. Et en fait, je le faisais presque. Enfin, c'est ça. D'un coup, j'avais un doute. Je me disais « Putain, mais est-ce que, en fait, c'est ce que vraiment, moi, je veux, tu vois ?» Genre, ok, là... Champion du monde, quoi. Est-ce que... Enfin, oui, c'est...
oui, je le voulais, mais moi, je le voulais. Mes motivations profondes, c'était pas pour moi, tu vois, c'était pas pour moi. Et donc en fait, là, je suis dans une phase où je me dis, mais attends, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux, ou est-ce que je faisais juste ça parce que, genre, je baignais dedans, et tu vois, et parce que je connaissais rien d'autre, quoi. Mes parents ne m'ont pas forcé, hein, mais c'est, en fait, on me l'a tellement dit, tu vois, mais des trucs cons, genre, depuis petit, genre, par exemple, genre, quand on demande à. Enfin, quand on arrive au sujet de la retraite de mes parents, ils disent, oh, mais t'inquiète, je te jure, ma mère en rigolant, elle le disait en rigolant, hein, mais elle disait, genre, oh, mais t'inquiète, Sam, il aura gagné des millions, on n'aura pas souci de ça, tu vois. Et en fait, genre, c'est tous des trucs, genre, qui vont rêver, enfin, genre, c'est. Oui, au final, tu viens de ta vie quand même, mais c'est. Et en fait, genre, ça me fait presque peur des fois d'y penser, parce qu'en fait, ils n'ont pas fait exprès, mais j'ai tellement fait exactement tout ce qu'ils voulaient, tu vois. Et que du coup, maintenant, je sais pas si je veux. Je veux ça. Mais j'en ai parlé tout à mon psy, et en fait, il m'a dit, mais si, parce que moi, ce que je recherche vraiment, c'est la performance. Et le truc, c'est que la performance, moi, mon truc, c'est le triathlon, parce que j'ai fait que ça. Donc avant d'avoir un même niveau de performance dans un autre truc, il me refaudrait 20 ans, tu vois. Oui, c'est ça. Est-ce que t'as envie de faire autre chose que du tri, déjà? Je sais pas, en fait, je me dis, ça serait tellement dommage, genre, là, d'arrêter. Genre, en fait, là, le truc, c'est que j'ai la possibilité de gagner plus de championnats du monde que n'importe qui, tu vois. Parce que je suis si jeune. Et en fait, ça serait vraiment cool. Après, c'est. En fait, dans les années 80, c'était une autre époque, et du coup, ils en ont. Enfin, c'était beaucoup moins, et beaucoup moins de densité, et du coup, quand t'as la mec qui dominait, il dominait vraiment, quoi. Et du coup, c'est 6, ouais. 6 championnats du monde, 6 types de championnats. Il faut faire 7, quoi. Il faut 6 de plus, ouais. 6 de plus en 10 ans, je me dis. Ça va, je suis pas en rouge. Je pense 3 et 4. Regarde, à 35 ans, t'as fini. Ouais, ça c'est fini, toi. Non, mais on verra. De toute façon, si j'y arrive ou pas, c'est pas grave. Tu vois. En fait, j'ai vraiment l'impression que maintenant, c'est que du bonus, en vrai. Mais en fait, je suis obligé de me fixer la barre là pour avoir une direction dans laquelle aller, tu vois. Puis, genre, si je me fixe ça comme objectif, genre, si j'en gagne 3, genre, j'ai échoué. Mais genre, c'est trop bien, tu vois. C'est trop bien d'en gagner 3. ouais. Il y a plein de fois dans ma vie où, quand on me demandait, on me disait, ouais, qu'est-ce que tu feras si tu gagnes Hawaï ou après, enfin, ou le championnat du monde. Et en fait, dans tous les interviews et tous les podcasts, je disais toujours que j'allais faire complètement autre chose, tu vois. Et le truc, c'est qu'après, t'es dedans, et genre, t'as tes sponsors, t'as tes contrats, et tu te dis, mais non, mais en fait, c'est quand même ce que je fais, genre, enfin. Oui, ce que t'aimes. Ouais, et du coup, là, tout ce qui me reste, je pense, la prochaine étape, c'est d'essayer de regagner. Tout en faisant d'autres trucs, genre, j'en sais rien, genre développer mon merch, ou faire, j'en sais rien, organiser des events pour des causes aussi, ou ça. Mais après, du coup, parce que ça devient un nouveau challenge d'avoir le temps de s'entraîner et de faire d'autres trucs à côté, quoi. Parce que oui, ça reste quand même encore un rêve. Ouais, carrément. Bah, en fait, j'ai cette bague là, toujours avec les coordonnées d'Hawaï. Et en vrai, je reste persuadé qu'Hawaï me convient mieux, donc c'est sûr que je le ferai. Mais en fait, j'ai besoin même de. Parce qu'en fait, là, le projet, il est viable de gagner Hawaï l'an prochain. Mais j'ai besoin pour ça de savoir qu'est-ce que je vais faire après, tu vois. Si je me fixe comme deadline Hawaï, après, je serai pas bien. En fait, là, ça m'a fait me rendre compte, Nice, que j'ai besoin de savoir vraiment là où je vais être dans 10 ans. Ouais. Et en fait, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est de me fixer un objectif qui est. Qui est genre obtenable, genre plutôt que de me fixer un objectif genre de style de vie, tu vois. Parce que si t'as un objectif plus de style de vie, genre c'est un truc qui évolue, j'en sais rien, il faudrait que je me dise, enfin, mon objectif, en vrai de vrai, ça devrait plutôt être, être en bonne santé, essayer d'être le meilleur triathlète du monde, tu vois, genre, ça devrait pas être, avoir une belle maison, avoir un enfant, j'en sais rien, tu vois, mais ça devrait pas être gagner une course, parce que c'est tellement... C'est tellement genre noir ou blanc, tu vois. Ouais, ça, en fait. Ouais, et puis une fois que c'est fait, après, ouais, c'est ça. Rien, quoi. En fait, la prochaine étape pour moi, c'était toujours de je sais pas si ça se dit pas trop en français, mais en gros, de devenir plus gros que le sport lui-même. Ouais. Parce que le triathlon, c'est relativement petit. Genre, même quand t'es. En fait, c'est que moi, quand j'étais petit, je voulais faire du triathlon parce que j'étais dans une famille de triathlètes, mais sinon, il n'y a pas de gosse qui se lève le matin en se disant, tiens, moi, j'ai envie d'être triathlète, tu vois. Et genre, limite, moi, quand je l'avais écrit dans mon truc de profession, tu sais, que tu veux faire plus tard à l'école, et on m'avait dit, mais c'est pas un métier. Et même des fois,
il y a récemment on m'a demandé si j'en gagnais ma vie alors que je suis champion du monde, tu vois. Donc il y a plein de gens, ils savent pas que tu peux gagner ta vie du triathlon. Et du coup mon but c'est un peu ça, c'est qu'il y ait plus de gosses qui veulent faire du triathlon, que ça soit un peu la norme. Et je pense pour faire ça, bah ça demande juste du temps, et enfin être plus gros gosse pour lui-même, ça demande de, comme je disais avant, de gagner, mais aussi de faire des trucs à côté, tu vois. Il faut être une ça c'est dur, ouais, c'est dur le côté image et tout, parce que des fois ça te saoule tout simplement, parce que c'est du temps et tout de créer du contenu, genre comme là, saoule. Non mais ça, tu dois créer du contenu, et ça peut être chiant, mais à la fois en fait, il faut se dire qu'en fait tu le fais plus pour, parce que ça, il y a vraiment des gamins ou quoi qui trouvent ça stylé et qui se mettent au tri parce qu'ils t'ont vu ou parce que t'as fait un réel. Mais je pense que les athlètes et tout là, et les célébrités en général, en fait, c'est des gens qui sont à la fois très égoïstes et très... en anglais, on dit selfless. Mais en gros, ça veut dire que on est à la fois bah, du coup, égoïste et l'opposé, parce que en fait, ce qui est égoïste, c'est de toujours promouvoir toi-même, tu vois. Genre, et tous les gens autour de toi, ils travaillent pour toi, tu vois. Mais à la fois aussi, en fait, t'exposes complètement ta vie, tu vois. Et du coup, en fait, les gens, ils voient les hauts, les bas, tout, tu vois. Genre, ils ont trop donné, en fait, tu vois. Enfin, ils ont trop donné à tout le monde. Alors, tu joues plus, Sam? Non, mais c'est trop nul pour moi. Ils sont mauvais. En vrai, ils sont hyper chauds. Je crois qu'ils bossent pas ici, ils font que ça. Mais je me suis fait mal à l'orteil en jouant en pick-up, mec. I think that I never had one. Apparently, like a few weeks ago, I was just blown onto the ground because of a storm. So one morning, they came to work and I was like in the trees over there. I never noticed, but now it's blown up. I have like a goosebumps. Clap de fin sur ce trip danois. Il reste 5 minutes de jour et on a eu que 5 heures de jour. Et voilà, c'est tout. C'est terminé. Tu vas liker, tu vas subscriber. Je sais pas comment dire en français ça. Tu vas t'abonner. Et je vais être milliardaire grâce à YouTube. Voilà.